Eh ben voilà, c'est reparti. Salut Jean-Pierre, Coco le rigolo s'amuse en coulisses avec les reporters du Bonjour net, avec mon ami reporter. Jacques qui est en train de... Il se tape la caméra alors, tu vois. Oui, je vois. Voilà, alors aujourd'hui tu es venu à l'exposition, comment il s'appelle déjà ce grand artiste peintre? Eh ben, Arnaud comment? C'est Ascoy. Ah, Ascoy. Du nom du bateau. Le nom du bateau de Jacques Brel? Oui, oui. Ah, Ascoy, voilà, ça c'est formidable. Ouais, eh, oui. Je vois que tu es très intéressé par cette toile alors, parce que c'est les croisades là, c'est quoi? Ben, moi, c'est les Templiers, c'est quoi? Je viens du pays des Bastides. D'accord. Donne-nous une leçon d'histoire, les Bastides, le sud-ouest. Les Bastides, c'est surtout l'époque Qatar. Ah. L'époque Qatar. Pas le steak tartare, hein. Coco non. Le rigolo s'amuse en coulisses, on est bien d'accord. C'est vrai que nous, on est très attachés à l'histoire du Moyen-Âge, notamment les médiévaux, quoi. À l'époque des médiévaux, et moi, ça me fait penser à l'époque médiévale, puisque chez nous, on a des Bastides, Pujol, Peine d'Agenais, bon, le château de Bonaguil, bien sûr, Biron. T'es de quelle commune, Père un bel accent. Sud-Ouest, Villeneuve-sur-Lot. Villeneuve-sur-Lot. C'est connu, hein. C'est très connu. Avec l'accent, c'est plus dire à dire. Hein, comment tu fais? Comment tu dis? Oui, c'est connu. Villeneuve-sur-Lot. Sur l'autre, pas le poisson. Hein. Et en patois, on dit Villeneuve-d'Olt. Oh, tu peux nous dire quelque chose en patois? À part ça, non, pas grand chose. Pas grand chose. Mais alors, dis-moi, je te vois, Jean-Pierre, hein, c'est oui, ça oui. Tu te balades avec un appareil photo, tu es chasseur d'images aussi Oui, donc moi, l'association, je suis photographe. L'association artistique de la préfecture de police. Je suis... La préfecture de police. Voilà. D'accord. Donc je suis président de l'association artistique de la préfecture de police. Et Arnaud, je l'ai connu parce qu'un jour, il envoie un petit message sur notre site. Je chante Brel. Alors bien sûr, Brel, nous, moi, à l'époque où j'étais adolescent, c'était notre icône. Je regarde sur YouTube, de suite je l'ai appelé. T'as bon, craqué immédiatement. Tu viens à l'association. T'as cru que c'était la résurrection? Oui, voilà. on est très spirituel ce soir. Tout à l'heure on était vers Jésus-Christ, là on est vers les Templiers, oui. Et là on reparle encore de résurrection. Quelque chose de magique hein, ce soir pour Gascoy. Oui, oui. C'est Ascoy. Comme ça Ascoy. Ascoy. Ascoy, il oui. Faut s'habituer, hein. C'est des termes. D'où il vient ce nom, Ascoy? Ben, c'est le nom du bateau de Jacques Brel. Oui, mais l'origine du mot, Ascoy. Ah, alors là, il faut lui demander. On va lui demander, voilà. Eh bien, écoute, Jean-Pierre, je te remercie d'avoir accepté. Oui, ben, Coco, merci de m'avoir interviewé. Je et on peut te trouver coup, ouais, on peut te trouver sur un site, voir tes photos, quelque chose. Ben, moi, on me trouve sur Arkwid. Répète ça. Arkwid. 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 ARTQUID. Jean-Pierre Demeurs. Jean-Pierre Demeurs sur Facebook. Puis c'est des photos un peu qui partent, c'est du surréalisme. Surréalisme. J'aime bien le surréalisme. Ouais, t'es un artiste de toute façon, faut que ça s'évade un petit peu. Quoi. Ça part, voilà. Voilà, je te remercie Jean-Pierre, on va peut-être se voir tout à l'heure, on va trinquer ensemble. Hein. Oui, d'accord. Ça marche, ok. Merci. Merci, à tout à l'heure. On va se voir après. Merci.